les favorites de l'édition 2013. Allez, les 2700 mètres de la grande piste. Cette fois, c'est parti pour le prix de Vincennes. Altesse du Surf est parti au galop. Altesse du Surf au galop. Faute également en début de parcours d'Arcapol Jet. Ces deux-là vont perdre beaucoup de terrain. Tout comme Aventure Jet. Faute d'Alto de Mai également. Plusieurs chevaux fautifs en début de parcours. Les favoris qui, eux, en revanche, ont pris un bon départ à l'image d'Atesima qui vient à l'extérieur. Airport également est là. Adzana Trembladez fait partie du groupe de tête, tout comme Apollon de la Lys. Avec non loin Alpha Saltor, Agrippine, Aviro Duel. Peloton compact dans le premier tournant. Anastasia Fella fait partie des derniers, mais elle est assez près des chevaux de tête qui se dirigent vers les tribunes. Airport prend l'avantage avec Johan Le Bourgeois. Airport, c'est le numéro 3. Le 5 Apollon de la Lys est dans son dos. Azana Trembladez, le numéro 14, est 3e. Avec Alpha Saltor qui est au galop. Alpha Saltor au galop. On perd l'un des chevaux en vue. Le 8 va être disqualifié. Il a perdu toute chance sur une longue incartade. Il reste un tour à parcourir. Airport fait du train. Et Johan Le Bourgeois le laisse dérouler. En deuxième position, il y a Apollon de la Lys. Avec en troisième position, Azana Trembladez. Ces trois-là qui sont en file indienne devant Atlesima, le numéro 11. On vient ensuite avec Atwood Griff. Avec également non loin le peloton qui essaye de se reformer. Notamment la favorite au galop. Anastasia Fella au galop. Et Alizéa Ducastel au galop. Course à rebondissement, course par élimination. On a perdu le 15 dans la descente. La favorite Anastasia Fella qui s'est enlevée. Il reste encore 1500 mètres à parcourir. Airport fait du train. Du coup, derrière, bien certains ont du mal à suivre. Même si Apollon de la Lys est toujours au contact. Azana Trembladez est en troisième position. Devant encore Atwood Griff, Atlesima, Agrippine qui précède Aviro Duel et Aston Fly. La plaine désormais pour Airport qui ne relâche pas la pression et qui fait toujours beaucoup de train. Et on a sanctionné pour Allure Azana Trembladez. Le 14 qui avait des problèmes depuis un moment est sanctionné pour Allure. C'est fini pour le 14. Pour Airport qui fait exploser le peloton de ce prix de Vincennes. Il fait énormément de train. Et derrière, eh bien, on fait ce qu'on peut avec Apollon de la Lys qui est bien au contact toutefois. Atlesima qui revient en progression, qui ramène dans sa roue Agrippine. Atwood Griff venant ensuite avec Aviro de Well. Aston Fly semble en difficulté à l'arrière. Concurrents qui sont dans la montée. Airport qui est toujours en tête. Johan Le Bourgeois qui s'est retourné une 13-5 à 1000 mètres de l'arrivée. Airport qui a vraiment fait du train en début de parcours et qui va devoir repartir car on vient désormais à sa hauteur avec Atlesima qui est lancé par Eric Raffin. Atlesima qui, comme un coup de vent, a pris l'avantage sur Airport qui semble plafonner quelque peu. Apollon de la Lys est toujours là avec Agrippine, Atwood Griff et Aviro Duel qui se rapproche. Atlesima d'autorité qui a pris l'avantage et qui se dirige seul en tête vers l'intersection des pistes. Apollon de la Lys est toujours deuxième, lutte avec Agrippine, Aviro Duel qui essaye de garder le contact mais qui est un petit peu en difficulté à cet instant et qui précède Atwood Griff. Faute d'Agrippine, faute du 7, Agrippine qui disparaît à son tour. Atlesima seul en tête qui semble bien contrôler les opérations même si Eric Raffin doit se montrer vigilant. Deuxième position, il y a Apollon de la Lys en troisième place. Trotte désormais Aviro Duel devant Atwood Griff et Agrippine qui a été relancé. Les droites finales pour la seule et unique Atlesima et Eric Raffin qui se montre extrêmement vigilant sur son dos mais qui a nettement la mesure de ses adversaires. Apollon de la Lys est deuxième attaqué par Aviro Duel et Agrippine qui revient. Atlesima qui a toujours le meilleur à 200 mètres du poteau dans le prix de Vincennes. Atlesima de loin devant Apollon de la Lys, Aviro Duel et Agrippine qui lutte pour la deuxième place. Atlesima qui file au poteau. Atlesima et Eric Raffin qui gagne le prix de Vincennes. Deuxième place à nette distance disputée. Elle va revenir finalement à Agrippine qui est revenu très bien finir. Aviro Duel sera troisième et Apollon de la Lys quatrième. Et oui, très belle victoire hein, pour une des favorites, hein, Atlesima, hein, pour l'écurie Victoria Adri. Mais sur la montre d'Eric Raffin, on a vu qu'il a fallu être vigilant jusqu'au bout parce que la jument, on ne pouvait pas trop la lâcher, mais elle a dominé son sujet avec beaucoup de facilité. On pourra constater que ça a été une course avec beaucoup de disqualifications. Il y a eu 8 disqualifications sur 15 partants, notamment la grande favorite Anastasia Fella qui a fait la faute en descendant, Asana Trembladez qui avait des problèmes d'allure en plaine, et bon, une course très décousue, Alpha Sator qui a fait la faute aussi en descendant. Mais très très belle victoire hein, de ce numéro 11 Atlesima au niveau classe était au-dessus du lot, fallait être vraiment vigilant, mais au niveau classe était au-dessus du lot. Et dommage pour Agrippine qui a fait la faute dans le dernier.